La journée nationale des débutants, c'est une manifestation ludique pour terminer la saison pour les U6, U7. Donc c'est vraiment l'apothéose de la saison pour eux, avec l'idée que ce soit le plus amusant possible, que le plaisir soit au centre de cette journée de jeu, d'animation, de rencontre. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la journée nationale des débutants qui va regrouper sur la journée plus de 1200 enfants. Donc avec un encadrement de la commission technique du district du Val d'Oise, le club de Cergy Pontoise qui nous accueille pour la deuxième fois en 2 ans sur ce magnifique site. On va avoir des animations pour les enfants, des structures gonflables, des jeux, des ateliers animés par des éducateurs formés tout au long de la saison, également des services civiques que l'on a mobilisés sur cette journée-là. Et puis ils vont faire également des petits matchs, donc 40 minutes de petits matchs, 40 minutes d'atelier, d'animation, et puis un final sur le terrain d'honneur. Journée nationale des débutantes. On va faire du foot et on va s'amuser. Oui, ouais. Oui. On va faire des matchs, on va tous les battre. Foot. Les aliments que nous mangeons apportent de l'eau au corps. Ce qu'on mange, ça nous donne de l'eau. Il fait beau en plus, donc on a la chance de pouvoir avoir des enfants jouer avec le soleil. Donc, plutôt agréable, bonne organisation, franchement, très bien. À refaire. Très bien organisé, les enfants sont contents, il fait beau. Voilà. On voit la vitalité de nos clubs à travers tous ces enfants qui sont là, et tous les clubs ont joué le jeu aujourd'hui, donc c'est vraiment. Une magnifique manifestation de nouveau, et je tiens à remercier aussi toute la commission technique du district du Val d'Oise qui fait vraiment un travail formidable et les éducateurs qui sont là. Alors ce final, il se veut bleu, blanc, rouge, année de Coupe du Monde féminine évidemment. L'année dernière, on avait fait un message de soutien à l'équipe de France masculine, ça leur avait porté chance, on l'espère. Une pleine réussite par une organisation parfaite avec un épanouissement total au niveau des enfants, des pratiques et sportives et culturelles, et nous avons vraiment vécu
une matinée exceptionnelle due à une brillante organisation des différentes composantes du district du Val-d'Oise de football.